Ah, on y est. Bon, alors, je me permets de faire cette petite vidéo, chose que je n'ai pas trop l'habitude de faire, hein, donc, mais là, franchement, je me sens très concernée, même si je me trouve dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Alors, ce message, est directement pour Monsieur Macron. J'ai vécu de longues années en France. Le peuple français est quand même un peuple. Qui est quand même assez respectueux, je trouve, mais quand même très assumé. Je crois que dans les gènes de ce peuple, une des choses, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité, paraît-il. Donc, ce qui se passe là en ce moment est un exemple pour nous, hein, même si ici on ferme tous notre gueule, hein, et nous vivons dans la corruption la plus absolue du matin au soir. Hein. Nous avons prévu une manifestation qui, évidemment, a été suspendu, hein, qui devait se faire donc en Andalousie le 1er décembre, hein, contre toute la corruption que nous vivons. Et nous n'avons même pas le droit de nous manifester. Alors, Français, s'il vous plaît, surtout n'arrêtez pas de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes un exemple pour nous. Hein, moi, je me charge de partager tout ce que je peux, même si on n'y comprend rien. C'est pas grave, il y a trop de gens sans couilles et sans ovaires dans ce pays. Alors, continuez, et Monsieur Macron, l'armée, pourquoi faire l'armée? Ça veut dire quoi? C'est quoi cette provocation à la liberté? Hein? Faudrait peut-être écouter les Français, monsieur. Hein? Voilà. Alors, maintenant, liberté, égalité, fraternité, n'est-ce pas? Ce sont les sigles de la France. Alors, merci la France, et merci d'être là pour encourager l'Espagne à faire la même chose. D'accord? Voilà, bonsoir à tous et on y va!